Mais vous êtes trompé de chaîne, hein. C'est pas une chaîne Let's Play, ici, barrez-vous. Vous croyez vraiment que j'allais faire un Let's Play? Eh ben oui, vous aviez raison. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de ce Let's Play sur Pokémon Heart Gold Randomizer Nuzlocke. Ça fait des semaines et des semaines que je travaille sur ce projet dans le plus grand des secrets avec trois artistes dont je vous parlerai dans ce premier épisode. Ça fait un an, sans mentir, que j'ai envie de faire un Randomizer Nuzlocke sur cette chaîne. Et là, on y est enfin à ce premier épisode. Alors, qu'est-ce qu'un Randomizer Nuzlocke pour ceux qui se demandent? Parce qu'il y en a, bah oui, ils ont jamais vu de Let's Play de leur vie. J'espère quand même que vous commencez pas les Let's Play avec moi parce que... Alors, un Randomizer Nuzlocke, on va commencer par la partie Nuzlocke, c'est lorsque l'un de vos Pokémon meurt, enfin est mis KO, eh bien il l'est définitivement, c'est-à-dire qu'ensuite il est mis dans une boîte et on ne pourra plus jamais y toucher. Et pour finir, la règle du Nuzlocke veut que si l'on perd toute son équipe d'un coup, c'est-à-dire que si l'on perd les 6 Pokémon de son équipe lors d'un combat, eh bien le Nuzlocke doit s'arrêter, le Let's Play doit s'arrêter. J'espère que ça n'arrivera pas, sinon je serai dégoûté. Et enfin, venons-en à la partie Randomizer. Qu'est-ce qu'un randomizer? Un randomizer veut que tous les Pokémon, y compris les starters, les Pokémon que tu trouves dans la nature, les Pokémon du rival, le conseil 4, le champion de la ligue, même Red aura ses Pokémon randomisés. Ils seront totalement aléatoires, on ne saura jamais ce que l'on peut trouver. Ce Let's Play va envoyer du lourd, je vous propose de commencer dès maintenant. C'est parti. TGO, hein. Commence pas à faire le fou non plus. Alors comme je vous l'ai dit, ça va être sûrement mon premier vrai Let's Play. Il n'y aura plus de cut à partir de l'épisode 2 parce que là c'est le premier épisode. Faut que... Ah, ça envoie quand même. J'espère en tout cas, les Sneezers, que vous êtes hype pour cette toute nouvelle aventure et que vous allez vraiment kiffer partager ce voyage avec moi. Donc, je sais plus qui commence, enfin qui est le professeur de cette version. Je crois que c'est Orm, le pire professeur du monde bien sûr. Hein? Quoi? Déjà? Oh non, j'ai raté l'heure. Désolé de t'avoir fait attendre. Bienvenue dans le monde des Pokémon. Mon nom est Shen, mais tout le monde m'appelle le professeur Pokémon. Tu débutes tout juste ton aventure, je me trompe? Laisse-moi tout d'abord t'enseigner les bases de ce monde. Mais quelles sont-elles, Shen? Quelles sont-elles? Ce monde est peuplé de créatures appelées Poké... Pardon? Pardon, Shen? Tu te foutrais pas un peu de ma gueule? Je joue à un jeu qui s'appelle Pokémon Heart Gold, et ensuite il vient me dire... Ce monde est peuplé de Pokémon. Mais je l'aurais deviné quand même! Il va nous sortir en plus. Oh, Maril! Ah, il est trop mignon! Regardez-le! Nous, les humains, vivons avec les Pokémon. Il nous arrive de jouer ou de travailler ensemble. Certaines personnes utilisent des Pokémon pour combattre et créer un lien très fort avec eux. Moi, je me contente de faire des recherches pour que nous en sachions plus sur les Pokémon. Mais avant tout, parle-moi un peu de toi. Es-tu un garçon ou bien une fille? Alors, d'habitude, pour mes Let's Play, j'ai l'habitude de prendre la fille, hein, vous êtes au courant, mais pour ce Heart Gold Randomizer Nuzlocke, j'ai envie de prendre Gold, parce que Gold, il est très stylé quand même, il faut le dire. Tu es donc un garçon? Je crois. Je suis pas sûr, mais il y a de fortes chances. Comment t'appelles-tu? Alors, on va s'appeler Sneeze. Alors, maintenant que nous sommes en train d'utiliser bien comme il faut la manette, je vais vous expliquer que mon setup est totalement approximatif. Je suis tellement un youtubeur du ghetto, j'ai une manette Xbox avec du tissu enroulé sur le autour du joystick pour éviter que ça fasse... quand je l'utilise, mais... mon micro est tellement puissant, je suis désolé, que vous allez entendre pendant tout le Let's Play les A et B. Je vais essayer de moins les utiliser possible, parce que d'habitude, j'ai pour habitude de spammer ce genre de bouton. Et là, pour le bien de vos oreilles, je ne le ferai pas, ne vous inquiétez pas. Tu t'appelles Sneeze? Oui, c'est bien ça, Shen, tu es très intelligent. Le moment est venu, Sneeze. Tout est prêt? Tu es sur le point d'embarquer pour une aventure unique. Tu vas vivre des moments de joie, d'autres de peine, surtout si mes Pokémon meurent. Tout un monde de choses à expérimenter. Allez, plonge dans le monde des Pokémon. Sur ce, à très bientôt. A tout de suite, Shen. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire sur... Ah, il n'y a pas de transition vers le noir. Ça commence direct. La musique, elle est stylée. La musique, elle est stylée. Je m'en souvenais pas, mais la musique, elle est stylée. Donc, comme vous avez pu le voir, et comme j'ai pu le dire au début, ce Let's Play est une collaboration entre trois personnes et moi. Alors, c'est pas vraiment une collaboration en Let's Play, je veux dire, ils sont pas là en train de jouer avec moi, mais le layout, le logo et l'introduction que vous avez pu voir ont été faits par trois personnes qui sont dans la description. Slowberry, l'une des gagnantes du CreaSneeze qui a fait le line, là vous pouvez le voir sur l'écran. Il y a Boo qui ensuite a fait la coloration, elle a fait plusieurs modèles et ensuite on a vu pour les couleurs tout ça. Et Texos qui a fait le logo, qui a été super pour le logo, qui a fait une introduction sick de fou, j'espère qu'elle vous plaît. Et voilà, je vous remercie vraiment ces trois personnes sans qui ce Let's Play n'aurait pas pu prendre vie. Et merci à vous, je vous kiffe les gars, vous le savez très bien. Alors on va descendre cet escalier pour aller voir la maman. La plus, de toute façon, les mamans dans Pokémon, c'est toujours les plus inutiles. Quoique celle-ci, je crois qu'elle est un peu plus intéressante. Elle te fait un peu plus chier parce que elle peut t'appeler un peu comme toutes tes mamans en fait. Ah, Sneeze,
tu as enfin levé. Ton amie Célestin vient de passer. Elle jouait à ce chat avec son mari. Au fait, le professeur Orme te cherchait. Je crois qu'il voulait te demander de lui rendre un service. Son laboratoire est juste à côté. Tu devrais le trouver tout de suite. À propos, avant de sortir, tu es sûr de n'avoir rien oublié? Range ce dont tu as besoin dans ce sac. Merci, maman. Voici la carte de dresseur. Merci, maman. Voici le cahier sur lequel noter ta progression. Merci, c'est vraiment très gentil. Et enfin, quelque chose de très utile. Ah d'accord. Pour sauvegarder, dis, y a pas de souci, voilà un carnet de notes pour noter ta progression, bah ça marche bien. Mais alors tiens, voilà une clé à molette pour changer tes options. Ah, ça marche d'un coup moins bien. Hein. Essaie de toucher les icônes, tu comprendras tout de suite. Alors, on va changer directement les options, si ça ne vous dérange pas, de toute façon vous avez pas trop le choix. Et qu'est-ce qu'on prend comme fenêtre? Je sais pas trop ce qu'il y a comme fenêtre. Dans... Oh, celle-ci elle est stylée. Allez, on joue Heart Gold, il faut prendre un truc qui fasse un peu dorer tout ça. Alors, je sais plus comment s'appelle la ville. Bourgeon. Le pire jeu de mots. Bourpalette, tu vois, c'est stylé. Mais Bourgeon, c'est de la merde. Ah, alors, c'est la rivale. Non, je sais plus qui c'est ça. Je sais plus qui elle est. Parce que... Est-ce qu'elle va venir nous parler, genre... Ah non! Ah, absolument pas. On s'est pris un vent, mon gars. On s'est fait dédaigner. J'ai pas aimé. Oh! Oh! On entend le bruit de l'éolienne. Insane! Oh, on entend le vent. On entend l'eau. Oh, c'est insane! Alors, vous allez voir, pendant ce let's play, je vais m'extasier devant tout et rien, parce que j'ai joué à ce jeu, voilà, c'est pour la petite histoire. Pourquoi j'ai décidé de jouer à Heart Gold plutôt qu'à un autre jeu? Eh bien, parce que je n'ai joué à Heart Gold qu'une seule fois dans ma vie, et c'était il y a 9 ans. Et je voulais faire à la base un let's play sur Pokémon Platine, mais j'ai joué à Diamant quand j'étais à l'hôpital, donc je connais le jeu. Donc je me suis dit, écoute, on va jouer à un jeu de la 4ème génération. Heart Gold, j'y ai joué qu'une seule fois. Je sais qu'il y a deux régions à explorer. On va avoir masse aventures à découvrir. Et on va parler à Célessa parce que je sais plus ce qu'elle veut nous dire. Sneeze, le professeur Rome te s'est cherché. Tu es déjà allé à son laboratoire? Ah, fallait pas du tout aller lui parler. Dommage pour nous. Alors cet épisode sera court, tout simplement parce que il va rien se passer. Dès le début du jeu, en fait, on te donne tes starters. Et donc le but, c'est que vous choisissiez mon starter. C'est un peu le côté cool des Nuzlocke, c'est que vous puissiez partager en même temps que moi. Alors les épisodes du Let's Play sortiront tous les mercredis à 13h et tous les vendredis, est-ce que tu peux arrêter de foncer dedans s'il te plaît, merci. Et tous les vendredis à 17h, voilà, j'espère que avoir deux vidéos par semaine en plus de celle du dimanche vous fera vraiment très plaisir. Tu veux quoi? Me regarde pas comme ça. Ah, cet homme est très gentil avec nous, dommage pour nous. Mais là, on se dirige vers le salon bureau, je sais pas trop, du professeur Orm. Si on tombe sur un légendaire en starter, vous avez intérêt à le choisir, je vous jure, sinon je vais péter un câble. C'est quoi ça? C'est quoi cette musique? What the fuck? Attendez. Tu vois? Là, t'es à Bourgeon, tu commences le jeu, t'es à Bourgeon, la musique elle est super cool, là tu te sens bien, tu vois, tu commences le jeu, t'es... Ah, je vais passer un bon let's play, ça va être insane, on va passer une excellente aventure. Et tu rentres dans le bureau du professeur Orm, c'est le vomi. C'est de toute façon, le professeur Orm, c'est le pire professeur EU de tout Pokémon, on va lui donner la pire voix. Sneeze, je t'attendais, est-ce que tu sais ce que j'étudie? De nos jours, c'est normal de promener ces Pokémon dans des Pokéballs, mais avant qu'elles ne soient inventées, les gens marchaient avec leurs Pokémon... à leur côté. Oui, comme ton ami Célesta. Bien sûr, l'avantage des Pokéballs, c'est que c'est beaucoup plus pratique. Alors, je pense qu'il y a de bons côtés à marcher avec son Pokémon. Peut-être un rapport avec leur développement ou leur évolution. D'ailleurs, j'ai abandonné l'idée de lui donner une voix, hein, visiblement. Et justement, je vais te donner un Pokémon pour que tu te promènes avec lui. J'aimerais en savoir davantage sur la relation spéciale que peuvent se nouer entre humains et Pokémon. Choisis ton Pokémon parmi ceux-ci. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? Oh, j'ai reçu un email. Un email. C'est même pas mail, c'est email. Oui, je vois. Écoute voir, j'ai un ami du nom de Monsieur Pokémon. L'inspiration pour le nom de cet homme était totalement folle. C'est un vieil homme qui crie à la grande découverte dès qu'il voit un truc qu'il sort de l'ordinaire. Il vient de m'envoyer un email disant que cette fois, c'est pour de vrai. Pourquoi je lui fais donner la... T'imagines, il y a un mec qui parle vraiment comme ça dans la vraie vie. À chaque fois qu'il doit parler d'une conversation avec quelqu'un, il prend la voix de ce quelqu'un. Ce serait horrible de vivre ça H24, là. Je pense que c'est encore un œuf de Pokémon. Hélas, j'ai vraiment trop de travail. Ah, je sais, tu pourrais y aller à ma place. Non? Si, hein, dis oui. De toute façon, j'ai pas le choix, j'imagine. Choisis le Pokémon que tu préfères dans cette machine. Ok, le moment est venu, les Sneezers. Le moment est venu d'entamer cette toute nouvelle
aventure, ce premier starter de l'aventure qui nous accompagnera, j'espère, un moment, sauf s'il meurt. Dommage. Ce sera un let's play sans prise de tête. Si j'ai décidé de faire ça, c'est pour m'amuser, pour vous fournir plus de contenu qui soit de qualité et vraiment pour prendre plaisir à jouer à un jeu Pokémon auquel ben, je n'ai jamais joué, tout simplement. J'espère vraiment que vous allez kiffer cette aventure. On va directement regarder les starters. Les starters. Touche la Pokéball pour en connaître le contenu. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Un Porygon. Ok. Porygon, le Pokémon de type normal. Ok, mais... problème. Porygon, c'est stylé, tu vois. Porygon en starter, c'est stylé. Problème, il va pas pouvoir évoluer. Ça m'étonnerait que j'ai changé les paramètres pour les évolutions, rendre les évolutions plus faciles. Donc, il faut les échanger et je crois que Porygon, c'est pas possible. Donc, Porygon, ça reste un choix. Je pense que vous pouvez toujours me le donner. Hein. Si jamais on arrive à avoir un Porygon Z, ce serait stylé. Bon, ça, c'est le premier Pokémon. Deuxième Pokémon... Carabaf, insane! Insane! C'est trop bien! C'est mon starter préféré! Enfin, l'évolution de starter préféré! Wouah! Génial! Ah, ça c'est cool, ça c'est cool! Je pense que Carabaf va avoir beaucoup plus de votes que Porygon. Du moins, j'espère. Je préfère utiliser Carabaf directement. Wouah, c'est génial! Un starter. En plus, on est à Johto Kanto. Oh, c'est génial. J'espère que vous allez voter pour Carabaf. Ça me ferait super plaisir. Attendez, on n'a pas vu le dernier Pokémon. Ça peut être Rarakoza. Attention, dernier Pokémon. Flobio, mais c'est insane. On a que des starters. Insane. Waouh, mais attendez. Mais du coup, on a le choix entre Porygon, Carabaf et Flobio. Mais écoutez, tout est entre vos mains, les Sneezers. J'espère vraiment que ce let's play va vous plaire, j'espère que ça vous rend hype. Si vous êtes chaud pour cette aventure, n'hésitez pas vraiment à me le dire en commentaire. Dites-moi quel est le starter que vous souhaiteriez qu'on utilise dans ce let's play. Laissez un maximum de likes pour me montrer que vous êtes hype pour cette toute nouvelle série, cette toute nouvelle aventure. Allez suivre Slowberry, Boo et Texo sur leurs réseaux sociaux, ils sont dans la description. Abonnez-vous pour suivre tous les épisodes qui sortiront les mercredis à 13h et les vendredis à 17h. Moi je vous dis à très vite pour le deuxième épisode, je compte sur vous. Et en attendant, n'oubliez pas...